marqué. Il s'est passé un truc, il y avait une campagne calamiteuse et puis une campagne formidable en même temps à côté avec une reconstruction du politique. Donc l'élection, par construction, parce qu'elle permet d'aider les candidats, donne toujours et partout le pouvoir aux plus riches. Rien à voir avec la démocratie. Mécaniquement, elle donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider, ceux qui ont les moyens d'acheter les journaux, d'acheter les radios, d'acheter les télés, ceux qui ont les moyens de faire des carrières aux universitaires, qui diront ce qu'on veut qu'ils disent. Il y a un bouquin que j'aurais pu prendre qui est celui de Mauduit. Comment il s'appelle? Le dernier bouquin de Mauduit, La presse sur la presse, Main basse sur l'information. 8 personnes, 9 personnes ont acheté tous les journaux du pays, tous. Bon, bah les gens, ils regardent les journaux et puis ils regardent la télé, mais les journalistes de la télé s'alimentent avec ce qu'ils disent dans les journaux. Le système est alimenté par 8 milliardaires. Les médias, on ne devrait plus dire les médias, parce que quand on dit les médias, ça sous-entend pluralité, ça sous-entend... Bon, il y en a bien qui sont indépendants là-dedans. Non, ils ont acheté tous les journaux. Il doit rester Charlie... Canard enchaîné. Et donc cette fois-ci encore, et ça va crescendo, les riches ont amené au deuxième tour leur élu, leur jeune homme qui est si joli à regarder, qui rassure tout le monde, il a un beau sourire, il a l'air gentil comme tout. Alors lui, ils l'ont poussé, en 2016, ils ont fait quelque chose comme... Pas de bêtises, je crois que c'est 17 000 articles de journaux, alors qu'il n'avait jamais été élu. Vous savez, dans les médias, le CSA nous dit, si on ne fait pas passer ce petit candidat, c'est parce qu'il n'a jamais été élu, on le fait passer en proportion de son élection, et si lui passe tout le temps à la télé, c'est parce qu'il a été élu, donc il a été élu, donc il est validé, donc c'est pour ça qu'on les fait passer beaucoup à la télé, à la radio, dans les journaux. Vous savez, c'est ce que dit le CSA pour justifier... le fait d'écrabouiller les petits, de leur donner très peu de temps de parole. Et là, vous voyez bien que c'est un mensonge, un énorme mensonge, parce que Macron, il n'avait jamais été élu, donc il aurait dû passer zéro dans les médias. Et puis en face, ils ont aussi mis un monstre, Le Pen, qu'ils ont dédiabolisé, jusqu'au soir du premier tour, dédiabolisé. Le monstre passait, le monstre, c'est une construction, quoi, passait à la télé tous les jours dans les journaux, les couvertures, tout ça, de façon à avoir un choix, un faux choix, quoi, un choix de merde. Enfin, j'imagine que vous l'avez vécu comme ça au deuxième tour et que, alors là, le soir du premier tour, le monstre dédiabolisé redevient diabolisé, il a une rediabolisation, alors terrible. De façon à ce que l'élu des riches passe les doigts dans le nez. Bon, c'est une manipulation, quoi. Dans 1984, qui est la description d'un monde totalitaire, par Orwell, qui se basait sur la Russie, mais il n'y a pas que la Russie, évidemment, il n'y a pas que la Russie soviétique qui est concernée. Le système totalitaire est bien décrit et c'est à lire absolument. Moi, j'avais lu ça quand j'étais ado, j'avais rien compris. Et je l'ai relu, le crayon à la main, en prenant des notes, en le résumant. Un livre remarquable, dans lequel Big Brother, donc qui est le maître qui veut tout contrôler, construit Goldstein. Et pendant pratiquement tout le bouquin, on ne comprend pas ça. Pendant tout le bouquin, on voit Goldstein qui est présenté sur les télécrans, un peu partout, dans toutes les maisons, il y a un télécran qui passe la propagande de Big Brother et puis qui filme. Et il n'y a pas un coin d'aucun appartement qui est à l'abri du télécran. Le télécran peut filmer partout, tout le temps. On ne sait pas si on est filmé, mais on sait qu'on peut être filmé tout le temps. Et tous les jours, il y a les 2 minutes de la haine. Tous les jours, Goldstein passe à la télé. Alors ça pourrait être notre Le Pen ou un autre. Enfin, c'est un monstre qui sert à concentrer nos haines. Et là, pendant 2 minutes, dans le roman, 1984, dès l'apparition de Goldstein, qui dit à la télé, Big Brother est un tyran, il vous opprime, il vous ment, il fraude avec les archives, il fraude avec les journaux, il vous condamne à la guerre permanente. Goldstein dit tout ce qu'il y a à dire.
Mais on est conditionné, et tout le monde fait ça en même temps, et comme tout le monde fait ça en même temps, on fait comme les autres, et pendant les deux minutes de la haine, on se met à haïr, et pendant qu'on hait Goldstein, on ne hait pas Big Brother. En fait, ils le font parce qu'ils écrivent eux-mêmes les lois, nos lois. La Constitution prévoit, pratiquement partout sur Terre, que les représentants des hommes, des humains, sont élus parmi des candidats qu'on peut aider. Donc, ceux qui ont les moyens d'aider aident les plus riches, aident et gagnent les élections. Nous avons élu un serviteur de l'Union européenne. L'Union européenne, pour moi, c'est un système de domination particulièrement sophistiqué, qui était déjà voulu par les cartels avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les cartels, c'est le nom qu'on donnait aux multinationales, cartel de la finance, cartel de la chimie, cartel de la sidérurgie. Ils voulaient une Union européenne pour se débarrasser des républiques. C'était déjà pas beaucoup républicain, mais c'était encore trop pour eux. Ils voulaient vraiment prendre le contrôle du politique, et pour ça, ils avaient compris qu'en montant le niveau politique, on dépossède les gens de la politique. Le meilleur endroit pour faire de la politique, c'est la commune, ou même encore moins le quartier. Plus c'est petit, plus c'est démocratique. Et inversement, plus le niveau de la cellule politique va être vaste, moins nous aurons la main sur le contrôle des acteurs politiques. Et donc l'Union européenne, c'est quelque chose qui est voulu par... C'est une façon de faire de la politique qui est voulue par les multinationales, qui sont les grands marchands, qui ont pris le pouvoir en 1789, enfin... en 1776 aux États-Unis, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, les grands marchands ont pris le pouvoir et cherchent à contrôler de mieux en mieux le pouvoir, de façon à ce qu'on ne puisse plus résister du tout. Et l'Union européenne, c'est vraiment une dépossession politique chimiquement pure, ça devient un outil génial du point de vue des plus riches, quoi, hein. Ils ont une domination. Donc, ils vont nous piller, comme ils pillent les Grecs. C'est pas une, je sais pas, un Cassandre, j'exagère pas. Regardez ce qui se passe en Grèce. En Grèce, ils en sont à 14 mémorandums, 14 régressions majeures dans les services publics, les retraites, les salaires, les impôts. C'est terrifiant. Ce qu'on impose aux Grecs, mérite votre attention. Quand les pays échangent, nous n'avons pas tous la même compétitivité. D'abord, dans les échanges mondiaux, c'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. Vous faites l'addition de toutes les importations de tous les pays du monde. Ça va être égal. C'est une égalité comptable, c'est pas l'objet d'un débat. Ça va être égal à toutes les exportations. Importation égale exportation, quand vous prenez toute la planète. Si un pays exporte beaucoup tous les ans, tout le temps, plus qu'il n'importe, si un pays est exportateur net comme l'Allemagne, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui importent net, qui sont importateurs nets. C'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir un exportateur net durable sans qu'il y en ait un autre qui ait des échanges déséquilibrés de façon symétrique. Alors, peut-être que c'est trois pays qui se répartissent la charge, mais... Vous ne pouvez pas défendre l'idée que le modèle allemand n'a qu'à être suivi par les autres. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas faire comme l'Allemagne. Quand un pays exporte plus qu'il n'importe, quand il vend aux autres, c'est une prédation. Alors ça va bien une année. On va jamais arriver à l'égalité totale. Donc on peut accepter qu'un pays, temporairement, une année, déséquilibre ses échanges. Mais il faut pas accepter qu'un pays soit tout le temps exportateur net. Parce que sa monnaie va devenir forte et la monnaie des autres va devenir faible. Il va falloir dévaluer. Si on accepte que les échanges soient déséquilibrés, ce qui est le cas en ce moment, il faut que les monnaies se dévaluent pour rétablir la compétitivité. Parce que si vous dévaluez pas de temps en temps, vous avez un pays qui devient de moins en moins compétitif, l'autre qui devient de plus en plus compétitif. Et quoi? Celui qui est importateur net, ça va jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il meure? C'est quoi le truc? Oui, il va mourir. Donc pour pas mourir, les peuples se défendent parce qu'ils veulent pas mourir, et ils dévaluent de temps en temps, ils dévaluent leur monnaie pour se rendre à nouveau compétitif, pour que l'échange puisse continuer à avoir lieu, pour pas crever. Les ordolibéraux, ils disent c'est fini, on dévalue plus.
Ça, c'est jouer avec la monnaie, on les appelle des monétaristes aussi. Hein. Ils sont tellement rigoureux avec la monnaie qu'ils disent « il ne faut plus dévaluer ». Ouais, mais attends, on n'a pas la même compétitivité. En Allemagne, ils travaillent beaucoup plus. Ils sont super disciplinés. Ils souffrent, hein, la classe ouvrière allemande est malmenée. Ils ont pris des plans Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3, Hartz, c'était leur ministre esclavagiste, Hartz 4. Donc il y a des gens qui ont deux boulots et qui n'ont pas de quoi se payer leur maison et qui vivent dans leur bagnole. Donc ils sont compétitifs, mais c'est un modèle affreux, quoi. Enfin, c'est dur à vivre pour eux là-bas, pour les Allemands. En tout cas, ils sont plus compétitifs et les autres moins. Si on dit, parce que c'est eux, les Allemands ont appauvri leur classe ouvrière les premiers. Alors après ça, donc ils sont plus compétitifs et après ça, ils arrivent à vendre leurs produits meilleurs, moins chers. Okay. Si on n'arrive plus à dévaluer, comment on fait pour rester compétitif? Il faut qu'on ait une autre variable d'ajustement. Comment on fait pour être compétitif alors qu'on est on n'a pas le droit de jouer avec la monnaie? Eh bien, il faut baisser les salaires. Ça s'appelle la dévaluation compétitive, des dévaluations internes, ils appellent ça. Dévaluation interne, ça veut dire baisse des salaires. C'est plus clair quand on dit baisse des salaires. Comment il appelait ça, Jospin? Désinflation compétitive. Ça veut dire baisse des salaires. Effectivement, si t'as pas le dictionnaire avec, tu comprends pas, quoi. Désinflation compétitive, ça veut dire baisse des salaires. Quand on n'a plus le droit de dévaluer la monnaie, alors c'est vos salaires qu'on va baisser. On peut faire un référendum là-dessus, s'il vous plaît? Non. La Grèce, c'est un laboratoire pour les usuriers. Ils testent nos réactions. Et ce qui est affreux pour nous, c'est que on réagit pas. Il y a quelques centaines de milliers de personnes qui protestent en Grèce. Mais c'est rien, ils sont des millions, hein, les Grecs. Il n'y a que quelques centaines de milliers de personnes qui protestent, qui gueulent, qui sont violents, alors que c'est toute la société qui devrait se révolter contre la dette grecque. Ouais, mais c'est normal qu'on soit impuissant politiquement. C'est normal que nous soyons impuissants politiquement tant que nous nous fichons de la Constitution. Les banquiers sont moins bêtes. Eux, ils écrivent la Constitution. Les institutions européennes, elles sont écrites par les banquiers. Eux, ils ont compris que c'était important d'écrire ce texte. Bon, ben nous, on est en train de comprendre et on s'entraîne. On va avoir du mal à sortir de ce piège-là. Parce que quand on en parle dans la rue, les gens n'ont pas envie de sortir de l'Union européenne. C'est beau, l'Union européenne. C'est la paix, c'est l'amitié, c'est... Moi, j'ai marché à ça pendant toute ma vie. Hein. Enfin, j'ai voté oui à Maastricht, c'est affreux. Hein. C'est un vrai boulot de se désintoxiquer. Il faut éteindre sa télé, il faut lire. Et je voudrais vous signaler plusieurs bouquins là-dessus. Difficile de choisir un ordre. Le plus ancien, peut-être, mais qui est vraiment toujours remarquable, qui s'appelle « L'idéologie européenne ». Fait par trois bons hommes, Landais, Monville et Yagle, un nom à coucher d'or avec un billet de logement, chez Aden, 2008. L'idéologie européenne, ça, c'est un concentré de l'histoire réelle de l'Union européenne, donc des vrais pères de l'Union européenne qui ne sont pas ce qu'on vous dit, des vraies allégeances de Schuman. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 154e numéro. Au sommaire, dans la partie internationale, on va parler de l'Iran, du Qatar et d'Israël, car la situation se complique encore plus dans cette partie du monde. Dans la partie économie, on parlera de l'intelligence artificielle qui, selon une étude, va dépasser les humains à la fin du siècle. On parlera aussi des avions autonomes et d'un malware qui menace le réseau électrique européen. Dans la partie France, on parlera des coupes dans le budget alloué aux maisons de retraite, de l'état d'urgence qui devrait être transformé en une loi, et des indemnités chômage très avantageuses des députés sortants.
partie santé, on parlera du plastique dans les océans, qui provient en grande partie des plastiques balancés dans les fleuves. En conséquence, on parlera des résidus de plastique trouvés dans le sel. Et on terminera avec l'explosion de l'obésité dans le monde. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale. On démarre avec l'Iran qui compte consacrer le port de Bushehr pour les échanges commerciaux avec le Qatar. Alors ça, c'est pas un revirement de situation parce que l'Iran et le Qatar font du commerce depuis longtemps. Mais là, ça se voit de plus en plus et ça déplaît beaucoup à la communauté internationale, on va dire. Le gouvernement adjoint aux affaires économiques de Bushehr, Saïd Zarinfar, a déclaré que, compte tenu de la proximité entre le Qatar et le port de Bushehr, ce dernier servira de centre pour les échanges économiques entre l'Iran et le Qatar, afin de renforcer le développement de l'exportation entre les deux côtés. Voilà ce qu'a rapporté l'agence d'information iranienne Tsanim. Monsieur Farr a déclaré que les commerçants de la province de Bushehr sont réputés par leurs visites historiques au Qatar, ajoutant que le renforcement des relations commerciales avec le Qatar a débuté en 2014, quand les deux parties ont conclu des accords. Et d'ajouter, compte tenu de la crise vécue par le Qatar avec ses pays voisins et ses conséquences, une occasion importante se présente pour le Qatar et l'Iran afin de renforcer leurs relations commerciales et économiques. En tout cas, un ministre qatari a répété également que le Hamas, vous savez, le mouvement palestinien, est un mouvement de résistance légitime. Ça n'a pas du tout plu à Israël. Alors que le Qatar fait face à des pressions exacerbées de la part de ses voisins arabes pour rompre les liens avec les groupes terroristes, le ministre des Affaires étrangères qatari Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani a insisté sur le fait que le groupe terroriste palestinien du Hamas est, je cite, un mouvement de résistance légitime. Monsieur Al Thani était en visite en Russie pour évoquer la crise. Il a déclaré, je cite, que les États-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste, mais pour le reste des nations arabes, il s'agit d'un mouvement légitime de résistance. Nous ne soutenons pas le Hamas, nous soutenons le peuple palestinien, a-t-il précisé. Alors les États-Unis essaient de chasser le Qatar du marché du gaz et de se retirer de la base d'Al-Udeb. Le journal koweïtien Al-Qabas fait état des efforts de l'administration américaine visant à chasser le Qatar du marché d'exportation du gaz. Ça signifierait quand même presque la ruine du pays quand même. Hein. Soulignant que le Qatar est maintenant parmi les plus grands exportateurs de gaz dans le monde, le journal Al-Qabas, citant des sources économiques, a déclaré que le programme à long terme de Washington consistait à détrôner le Qatar à la tête des pays exportateurs de gaz jusqu'en 2024, et à se substituer à Doha en exportant chaque année 300 millions de mètres cubes de gaz. Je cite, le Qatar a exporté environ 77 millions de mètres cubes de gaz en 2016. La plupart de ses clients se trouvent en Asie de l'Est. Les États-Unis envisagent de se substituer au Qatar, ajoutait cette même source. A noter que M. Al Thani, l'émir du Qatar, a décliné cette semaine l'invitation du président américain Donald Trump pour se rendre à Washington également. Hein. Alors, en Iran, toujours, on a compté 13 morts dans des attaques à Téhéran, des attaques revendiquées par Daesh. Daesh s'est attribué deux attaques terroristes quasiment simultanées, perpétrées mercredi dernier dans les lieux symboliques de la capitale iranienne. Deux fusillades quasi simultanées, suivies d'explosions, ont éclaté à Téhéran, la capitale iranienne. Alors, l'une des explosions, c'était à l'intérieur du Parlement, l'autre au mausolée de l'imam Khomeini, faisant au moins 13 morts et 46 blessés. Ce sont les premiers attentats à être revendiqués par Daesh en Iran. C'est quand même incroyable, alors que le Téhéran et Doha se rapprochent, que Daesh vienne taper en Iran. C'est quand même assez curieux. On continue. Alors, les USA et l'Arabie Saoudite sont-ils impliqués dans les attentats de Téhéran? En tout cas, l'armée d'élite de la République iranienne accuse. Les gardiens de la révolution, les Pasdaran, l'armée d'élite de la République iranienne, ont accusé les États-Unis et l'Arabie Saoudite d'être impliqués dans les attentats de Téhéran qui ont fait 12 morts donc et 46 blessés. Je cite, cette action terroriste, après la rencontre du président des États-Unis avec le chef d'un des gouvernements réactionnaires de la région d'Arabie Saoudite, qui a toujours soutenu les terroristes, est lourde de sens et la revendication par Daesh, le groupe islamique, montre qu'ils sont impliqués. Voilà ce qu'affirme un communiqué publié par l'agence de presse officielle iranienne ISNA. On parle également de la coalition internationale qui a bombardé Raqqa au phosphore blanc. Des vidéos très explicites, confirmées par les militants de l'opposition syrienne, le montrent. La coalition internationale, conduite par les États-Unis, a effectué en fin de semaine dernière plusieurs bombardements au phosphore blanc sur la ville de Raqqa, fief syrien de l'organisation État islamique. Ce composant qui peut brûler et tuer une personne est pourtant interdit dans des zones où les civils sont proches des forces armées. Ces bombardements viennent s'inscrire dans l'opération de reprise de la ville de Raqqa menée depuis mars 2017 par la coalition internationale et ses alliés. Alors les images des bombardements
circulent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. On y voit l'explosion typique d'une bombe au phosphore blanc qui provoque des faisceaux de traits de fumée blanche. A noter que le protocole 3 additionnel de la Convention sur certaines armes classiques de l'ONU, signé en 1980 et ratifié en 1983, éprouve l'utilisation d'une telle arme. On continue, on parle d'Israël. Israël qui veut supprimer l'UNRWA. En Israël, le Premier ministre veut se débarrasser d'une agence de l'ONU. Benjamin Netanyahou a demandé la dissolution de l'UNRWA, chargée de s'occuper des réfugiés palestiniens. Elle serait inutile selon lui et surtout hostile à Israël. Pour les réfugiés, il y a le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Pourquoi avoir mis en place une agence spécifique pour les Palestiniens, l'UNRWA, l'United Nations Relief and Works Agency? Voilà l'interrogation de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien accuse cette agence onusienne de ne pas résoudre le problème des réfugiés palestiniens et d'être surtout hostile à Israël. Il veut donc sa dissolution. L'UNRWA a réagi dans un communiqué laconique en disant qu'elle a reçu son mandat de l'Assemblée nationale des Nations unies et seule cette assemblée peut modifier ce mandat par un vote majoritaire. L'UNRWA, comme d'autres agences de l'ONU, est souvent attaquée par Israël, qui l'accuse de parti pris pour les Palestiniens. En fait, l'ONU dénonce régulièrement l'occupation israélienne des territoires occupés en contravention avec le droit international, ce qui hérisse les Israéliens. Alors, on parle de la bande de Gaza également, puisque l'électricité y est de plus en plus rare. Le quotidien Haaretz rapporte qu'une réunion a été houleuse. Selon le quotidien, le cabinet de sécurité israélien a décidé dimanche dernier d'accéder à une requête de l'autorité palestinienne. Les livraisons d'électricité à la bande de Gaza vont être réduites de près de 40%. Une réunion agitée car les conséquences de cette décision pourraient être lourdes. Beaucoup de voix s'inquiètent d'une crise humanitaire dans la bande de Gaza. Les mots sont ceux du représentant de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient devant le Conseil de sécurité. Je cite « À Gaza, nous marchons vers une crise, les yeux grands ouverts », a averti Nikolai Mladenov il y a 2 semaines. Ces livraisons israéliennes sont désormais la seule source d'approvisionnement pour la bande de Gaza. Actuellement, les 2 millions d'habitants du territoire n'ont jamais plus de 4 heures d'électricité toutes les 16 heures. Ils ne devraient plus désormais en avoir que 2 ou 3. L'organisation israélienne Gisha souligne l'impact sanitaire de cette situation. Les stations de désalinisation d'eau de mer ne fonctionneront plus. Les eaux usées ne peuvent plus être pompées ni traitées. Des ailes entières des hôpitaux seront fermées lors des coupures générales. Mais l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien veulent mettre le Hamas sous pression. Et cette réduction des livraisons d'électricité intervient alors que le mouvement islamiste se voit fragilisé par une crise diplomatique régionale. Son riche allié qatarien, désormais très isolé sur la scène internationale, est en train de prendre ses distances avec le mouvement islamiste. On termine cette partie internationale en parlant de la sanction de l'Union européenne envers la Pologne, la Hongrie et la République tchèque qui ont refusé d'accueillir des demandeurs d'asile. Les mises en garde de Bruxelles n'ont servi à rien. Le 13 juin dernier, la Commission européenne a lancé des procédures d'infraction contre la Hongrie, la Pologne et la République tchèque pour leur refus obstiné d'accueillir des demandeurs d'asile depuis l'Italie et la Grèce. La Hongrie, la Pologne et la République tchèque s'opposent aux relocalisations adoptées par l'Union européenne en 2015, en septembre 2015, pour soulager l'énorme pression migratoire pesant sur Rome et sur Athènes. Alors que Bruxelles s'était donné 2 ans pour répartir les 160 000 demandeurs d'asile vers d'autres pays, et ce en fonction des quotas, seules à peu près 21 000 personnes ont été relocalisées jusqu'à maintenant. On attaque la partie économie maintenant. On démarre avec Areva qui va démanteler la cuve du réacteur de Brunsbüttel en Allemagne. Vattenfall Gembe a choisi le consortium Areva EWN pour démanteler et conditionner les composants internes de la cuve du réacteur de la centrale nucléaire de Brunsbüttel en Allemagne. Et si son démantèlement est décidé, également pour le réacteur nucléaire de Krümmel. Vattenfall est propriétaire de 66,7% de la première et 50% de la seconde tranche. Brunsbüttel est une ville du nord de l'Allemagne, située sur l'embouchure du fleuve d'Elbe, près de la mer du Nord. Le réacteur d'eau bouillante de 771 MW a été mis en service en 1977. Le découpage et le conditionnement des déchets du cœur et des internes de la cuve s'effectueront sous l'eau, grâce à un système robotisé. Les travaux doivent s'achever en 2020. Alors pour ceux qui le veulent, il y a encore ces reportages. Centrale nucléaire, démantèlement impossible, pour vous montrer qu'en fait, c'est impossible de démanteler une centrale nucléaire en l'état. On continue, on va parler également des avions de ligne autonomes. Et ça sera bientôt possible selon Boeing. Le constat de Mike Sinnett paraît fou, mais semble parfaitement sensé au vu de ses déclarations parues dans CNBC.
vice-président du développement produit de Boeing, fait du pilotage autonome des avions son défi. Pour lui, je cite, « les éléments de base de la technologie sont parfaitement disponibles à l'heure où des drones autonomes se vendent pour moins de $1000. Et si ce défi n'était pas si insurmontable que cela ? Après tout, un avion est déjà capable de gérer seul le décollage, la croisière et l'atterrissage grâce à leur ordinateur de vol. Cet été, les travaux sur des algorithmes en cours de réalisation seront testés sur des simulateurs de vol. L'année prochaine, ce sera dans un cockpit bien réel que Boeing intégrera une certaine intelligence artificielle qui prendra des décisions qu'un pilote aurait prises. » Voilà ce qu'indique Mike Sinnett. Ceux qui sont intéressés, je vous invite une nouvelle fois à aller prendre ou vous procurer la lettre d'analyse et d'information libre numéro 17 dans laquelle nous avons fait un article qui s'appelle « Le merveilleux monde de demain » dans lequel nous avons analysé toutes les pièces de ce puzzle et qui vous donne grosso modo ce que sera le monde de demain avec toutes ces véhicules autonomes, cette intelligence artificielle, etc. Alors en parlant d'intelligence artificielle, des experts prédisent que l'intelligence artificielle va dominer les humains dans moins de 50 ans. La question de l'intelligence artificielle, qui va remplacer les employés humains, est devenue l'un des sujets les plus chauds de l'actualité et pour cause, les études continuent de faire l'éloge du potentiel de croissance et de richesse que présente l'intelligence artificielle en raison de l'augmentation de la productivité. En même temps, d'autres rapports mettent en garde contre les menaces de l'emploi et l'aggravation de l'inégalité des salaires entre les salariés qualifiés et ceux moins qualifiés. En dépit de ces alertes, rien ne semble arrêter le progrès technologique. Selon une dernière étude publiée par les prestigieuses universités de Yale et d'Oxford, l'IA devrait dépasser les humains dans tous les domaines dans moins de 50 ans. Pour arriver à cette prédiction, les deux universités se sont tournées vers des spécialistes de l'intelligence artificielle du monde entier. Ces derniers estiment que l'IA devrait nous dominer d'ici 2062. La probabilité de cette prédiction a été de 50%. Néanmoins, il faudra attendre encore plus d'un siècle, jusqu'à 2137, pour voir l'intelligence artificielle dominer toutes les activités humaines. L'intelligence artificielle devrait maîtriser beaucoup d'activités bien avant cette date. Dès 2024, les spécialistes s'attendent à ce que des machines deviennent meilleures que les humains pour la traduction des langues. De même, elles devront dominer des activités comme la rédaction de dissertations de lycée avant 2026, conduire un camion avant 2027 et remplacer les humains au commerce avant 2031. Les machines seront même aptes à écrire des livres best-sellers dès 2049 et à s'occuper de la chirurgie en 2053. En réalité, tous les jobs occupés par les humains seront automatisés dans les prochains 120 ans. Voilà ce qu'on prédit ces participants à ces études. On va parler également d'un malware, d'un nouveau genre qui met en danger tout le réseau électrique européen. Le réseau de distribution d'énergie ukrainien a été touché le 17 décembre 2016 par une cyberattaque d'un nouveau genre. Un peu avant minuit, la station haute tension de Pivichintna, au nord de Kiev, dans la capitale ukrainienne, a complètement disjoncté, littéralement. Un par un, ces disjoncteurs ont sauté, privant un quartier d'électricité. L'incident n'était pas le résultat d'une panne ou d'un dysfonctionnement, mais d'une action délibérée causée par un malware. Les techniciens ont pu restaurer le service une heure plus tard en coupant les disjoncteurs de leur connexion avec le système informatique. Ce n'est pas la première fois qu'une centrale énergétique est visée par une attaque informatique. L'Est de l'Ukraine avait déjà été frappée par une panne peu avant Noël en 2015. 225 000 personnes s'étaient alors vues privées d'électricité en plein cœur de l'hiver. Mais le malware au cœur de cette nouvelle attaque est différent. Il a d'abord été détecté par l'entreprise slovaque IZET, qui a partagé son analyse avec la firme américaine Drago Security. Cette dernière s'est alors procurée d'autres échantillons du malware et IZET l'a baptisé Industroyer, un amalgame provocateur entre les mots industrie et destructeur. Après 6 mois d'enquête, les spécialistes ont découvert qu'il a été conçu pour pouvoir être adapté à n'importe quelle centrale. Il est capable de cartographier le réseau informatique interne d'une station électrique et de saboter sans intervention humaine ou presque. Il est ainsi fort probable que l'attaque détectée en décembre dernier n'ait été qu'un test avant une opération de plus grande ampleur. D'après Robert M. Lee, CEO de Drago Security, je cite, « c'est un cauchemar. En l'état, le malware pourrait être utilisé contre n'importe quelle centrale électrique en Europe. Et les autres pays comme les États-Unis ou le Canada ne sont pas totalement hors de danger non plus. » On continue cette partie économie, on va parler de l'Arabie Saoudite qui a instauré une taxe sur les péchés, donc sur le tabac et la boisson sucrée. Ultra dépendante des revenus pétroliers, l'Arabie Saoudite tente de diversifier son économie. Le royaume a introduit une taxe sur les cigarettes et les boissons sucrées, dite taxe sur les péchés. Conséquence, le prix du tabac et les boissons énergisantes va doubler
D'abord pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais aussi pour s'attaquer au diabète, problème sanitaire majeur au sein de la jeunesse saoudienne. On en parlera à la fin de cette vidéo d'ailleurs. De messages de prévention sur les effets du tabac seront également apposés sur les paquets. Quant aux boissons sucrées, elles seront taxées à 50%. Les nouvelles taxes ont été annoncées par l'autorité générale de la ZAKA et des impôts. Cette décision a été prise depuis près d'un an, souligne Fatia Dazi Eni, politologue spécialisée de la péninsule arabique et auteur du livre « L'Arabie Saoudite en 100 questions ». Alors, puisqu'on parle du prix du baril, c'est une raison pour laquelle l'Arabie Saoudite est en crise, c'est parce que le prix du baril est extrêmement bas. Alors, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le prix du baril est à 44$? Ça, on n'en parle pas beaucoup. Le prix du baril est à 44$, mais par contre, le prix de l'essence à la pompe ne cesse d'augmenter. Alors là, trouver le problème. Hein. Et on termine cette partie économie en parlant également de Marissa Mayer, la PDG de Yahoo. Elle va quitter son poste, elle va toucher un jackpot. Les États-Unis, pays où la réussite et la richesse se mesurent au mérite, eh bien certains faits récents viennent contredire cette légende. Alors qu'elle a échoué à relancer l'ancien fleuron du web Yahoo, qui s'appellera bientôt OAT, Marissa Mayer, la patronne depuis 2012, quitte aujourd'hui le navire en empochant 186 millions de dollars, soit 171 millions d'euros. Selon le Wall Street Journal, cette somme rondelette serait composée de 84 millions de dollars de stock options, 25 millions de dollars d'actions gratuites et 77 millions de dollars d'actions Yahoo, soit 1,6 million d'actions de l'entreprise. Le départ de Marissa Mayer et le gros lot qui va avec interviennent au moment où Yahoo acte la vente de son cœur de métier à Verizon pour la somme de 4,48 milliards de dollars selon un document transmis à la Security Exchange Commission, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France. On attaque la partie France maintenant, on va démarrer avec l'antiterrorisme et le gouvernement qui veut mettre l'état d'urgence dans le droit commun. Le gouvernement d'Édouard Philippe se prépare à aller très loin dans la logistique sécuritaire afin de sortir de l'état d'urgence et a concocté un avant-projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure qu'il a transmis au Conseil d'État le 7 juin dernier. Selon le texte, soumis le matin même au Conseil de défense, ce sont quasiment toutes les mesures de l'état d'urgence qui vont se retrouver dans le droit commun. Ce projet de loi devrait être présenté au Conseil des ministres le 21 juin, en même temps que le 6e projet de loi de prorogation de l'état d'urgence, qui va être repoussé jusqu'en 1er novembre, qui sera transmis également le même jour au Palais Royal. À peine arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron avait annoncé le 24 mai vouloir organiser la sortie de l'état d'urgence, actuellement en vigueur jusqu'au 15 juillet, en renforçant la loi. Voilà, donc on va sortir de l'état d'urgence, mais en fait, l'état d'urgence, elle y sera pour toujours. C'est un état pratiquement totalitaire dans lequel on vit. On continue, on va parler de la sécurité routière et de la Cour des comptes, qui dénonce des PV inutiles. Ils ne parviennent pas à réduire le nombre de victimes sur les routes, mais ils renflouent toujours les caisses de l'État. Les radars ont rapporté plus de 920 millions d'euros en 2016, soit 131 millions de plus qu'en 2015, voilà ce que révèle un rapport explosif de la Cour des comptes. Je cite « Le montant global des amendes perçues par l'État au titre de la circulation et du stationnement routier s'est élevé à 1817,9 millions d'euros au lieu de 1607,7 millions d'euros en 2015, soit une augmentation de 11,6%. » Voilà ce qu'indique cette note d'analyse rédigée en 2016, révélée par Le Parisien et l'AFP. Parmi les recettes, les amendes, 920 millions proviennent directement des radars de vitesse et ceux qui contrôlent le feu rouge et les passages à niveau. Or, rappelle la Cour des comptes, je cite, en 2016, les résultats de la mortalité routière ont été confirmés à la hausse pour la troisième année consécutive, avec près de 3500 tués sur les routes françaises en métropole, soit une augmentation de 2,3%. Si cette augmentation des recettes est positive pour le budget de l'État et témoigne d'une meilleure efficacité des radars, elle doit être analysée au regard de l'objectif gouvernemental de diminution de la vitesse sur les routes, première cause d'accidents mortels, souligne-t-elle encore dans sa grande sagesse. On ne sanctionne que des petits excès de vitesse, on a trouvé la recette miracle pour faire du jackpot, voilà ce qu'a commenté Pierre Chasseret, le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Je continue, il y en a marre qu'en France, il faille toujours sauver le soldat radar. Il faut le replacer à son niveau d'efficacité, qui est faible, s'est-il emporté. Autre point soulevé par le rapport, l'affectation de l'argent qui arrive dans les caisses de l'État et qui finance des dépenses diverses, ventilées sur 5 programmes distincts, dont la finalité est pour certains éloignée de l'objectif stratégique de diminution de la mortalité sur la route. Selon la Cour des comptes, plus de 50% des recettes des amendes, soit 837,1 millions d'euros, ne sont pas directement affectées pour la mission. C'est la preuve du gros mensonge selon Pierre Chasseret. L'argent des radars ne va pas à la sécurité routière.
contacté par l'AFP, le délégué interministériel à la sécurité routière, n'était pas joignable. On continue, on va parler aussi des avantages, des gros avantages, on va dire, indemnité chômage des députés sortants qui sont battus. Donc, c'est la bérésina dans les rangs du PS. Même avec l'aide du PRG et des Verts, le parti n'a pas obtenu ou n'obtiendra pas plus qu'entre 20 et 30 sièges, d'après les projections réalisées à l'issue du premier tour. Nombre de députés sortants, et pas seulement de gauche, ont en effet été emportés par la vague La République En Marche et éliminés dès dimanche dernier. Si cette situation est difficile politiquement, elle ne devrait pas l'être pour le portefeuille des élus. Les députés battus bénéficient, sous certaines conditions, d'indemnité chômage plutôt avantageuse. Ce dispositif, une allocation de retour à l'emploi en réalité, pourrait ne concerner que peu de députés au final. Mais ceux qui peuvent en faire la demande auraient tort de s'en priver, tant ces indemnités sont plus intéressantes que dans le privé, du moins la première année. Les députés battus pourront en effet bénéficier de versements durant 3 ans de manière dégressive, de 100% de l'indemnité parlementaire, qui est de 5 999,8 € durant le premier semestre, à 70% durant le deuxième, 50% durant la troisième, 40% durant le quatrième, 30% durant le cinquième et 20% durant le sixième. Dans le privé, le montant des indemnités chômage est fixe, maximum 75% du salaire journalier de référence, ou au maximum 7 237 € par mois. Mais la somme n'est versée que durant 2 ans. Autre avantage dont bénéficient les députés avec ce système, ils ne cotisent que 28 € par mois durant leur mandat, quand les salariés du privé voient leur paye amputée de 2,4%, soit 143,99 € à salaire égal. On parle également, puisqu'on parle de coupes budgétaires, etc., on parle également de coupes budgétaires pour les maisons de retraite, coupes budgétaires de l'EHPAD public. La réforme de la tarification des maisons de retraite, adoptée par le précédent gouvernement, a un goût amer pour les établissements publics et associatifs et d'hébergement pour les personnes âgées indépendantes, soit l'EHPAD. Dans une situation économique déjà très tendue, leurs budgets vont fondre de 200 millions d'euros, selon la Fédération hospitalière de France, qui s'inquiète du sort des 3250 établissements du secteur. Jusqu'alors fixés dans des négociations avec les conseils départementaux en fonction des particularités des établissements, la tarification des soins fera désormais l'objet d'une moyenne départementale. Et on termine cette partie économie en parlant une fois de plus de l'EPR de Flamanville, et ça ferait une bonne relation avec la partie santé, et une note d'experts qui pointe le danger de la cuve. Areva et EDF jouent une bonne partie de leur avenir économique ce mois-ci. Première séquence, aujourd'hui. Comme le rappellent les Échos, le Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire se réunit pour plancher sur la sûreté de la cuve du réacteur nucléaire de type EPR construit par Areva pour le compte d'EDF à Flamanville. Fin juin, ce sera au tour du groupe permanent d'experts pour les équipements sous pression nucléaire de travailler. Il examinera les conclusions d'un autre organisme, l'Institut de Radioprotection de la Sûreté Nucléaire et l'expert technique de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. La toute-puissance autorité des sûretés nucléaires, qui ne rendra son avis définitif qu'en septembre, va-t-elle valider la cuve de l'EPR ? Des récentes fuites dans la presse laissent penser que oui. Pourtant, une note technique publiée par l'IRSN en avril dernier et passée totalement inaperçue montre que cette cuve n'est pas conforme à la réglementation des équipements nucléaires sous pression et pose un problème majeur de sûreté. Noyée au milieu d'une masse de documents mis en ligne, elle est datée de septembre 2015 et signée de Gérard Gary, physicien nucléaire, directeur de recherche émérite, ex-CNRS, rattaché au laboratoire de mécanique des solides de l'école polytechnique. Que dit M. Gérard Gary ? Je cite « Les mesures réalisées dans les zones suspectes ont révélé des valeurs de résilience insuffisantes pour satisfaire le premier niveau de défense vis-à-vis de la sûreté. » En l'occurrence, il s'agit d'un test de résilience qui mesure la capacité d'un matériau à absorber l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc et dont le résultat est mesuré en joules. La réglementation impose un résultat supérieur à 60 joules. Or, la moyenne des tests réalisés sur une pièce sacrificielle similaire de la calotte de l'EPR ressort à 52 joules. Le physicien précise aussi que sur cette pièce, la résilience attendue était de 220 joules. En traduction, en cas de choc violent, le fond de la cuve de l'EPR pourrait rompre. Or, ce risque de rupture est strictement interdit par la réglementation. La rupture entraînerait la perte du liquide de refroidissement, donc le dénoyautage du cœur nucléaire, débouchant sur un accident nucléaire très grave. On attaque la partie santé-environnement maintenant, et on va démarrer avec le plastique jeté dans les fleuves, source de pollution majeure dans les océans. Les déchets plastiques jetés dans les cours d'eau, principalement en Asie,
sont l'une des plus grandes sources de pollution des océans à travers le monde, d'après une étude menée par des chercheurs néerlandais. Les fleuves déversent entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de plastique chaque année dans les océans, soit environ 50 kg par seconde. Voilà ce qu'a souligné à l'AFP John Van Ewijk, chargé de communication d'Ocean Cleanup, une fondation néerlandaise de développement de nouvelles technologies pour nettoyer les océans de ces déchets. Deux tiers de cette pollution globale proviennent des 20 fleuves les plus polluants, d'après une étude publiée dans le journal Nature Communication. Et 86% de ces détritus plastiques sont émis par des cours d'eau asiatiques, voilà ce qu'ont précisé des chercheurs d'Ocean Cleanup. Situé en Chine, le Yangtze, l'un des plus grands fleuves du monde, est le bassin hydrographique qui contribue le plus à la pollution océanique mondiale, déversant pas moins de 330 000 tonnes de plastique dans la mer Chine orientale. Viennent ensuite le Gange en Inde, ainsi que les fleuves Xi, Dong et Xuanjian en Chine, et les fleuves aussi indonésiens Brantas, Solo, Serayu et Progo. Alors puisqu'on parle de plastique, conséquence, on a trouvé des microplastiques dans le sel de table. Des millions de tonnes de déchets plastiques polluent nos océans et représentent un vrai désastre pour l'environnement. L'impact de ce phénomène sur notre santé est aussi bien réel. Une équipe de chercheurs malaisiens de l'université de Putra, Malaisie, s'est intéressée à la présence de microparticules de plastique dans le sel de table que nous consommons et a effectué des analyses sur divers échantillons. Les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Report en avril 2017. Pour mener à bien leur enquête, les chercheurs ont analysé 16 marques de sel provenant de France, d'Australie, d'Iran, du Japon, de Nouvelle-Zélande, du Portugal, d'Afrique du Sud, de Malaisie. Parmi les échantillons, tous contenaient des microplastiques, sauf un. Ce dernier est de marque française, mais il est impossible de savoir de laquelle il s'agit. Seule information, il est contenu dans une salière en verre. Les 5 autres marques de sel français analysées contenaient en revanche des microplastiques. Si la quantité de microplastiques dans le sel n'est pas suffisamment importante pour s'avérer inquiétante pour notre santé, l'étude est malgré tout révélatrice de l'état de nos océans. Par ailleurs, aucune norme quantitative n'a été fixée pour l'instant. Voici désormais une nouvelle raison pour ne plus trop manger salé. Comme le rappelle Abulfalz Galiescardi, l'un des auteurs de l'étude, les produits cosmétiques contiennent eux aussi des microplastiques. Selon une étude repérée par nos confrères de Huffington Post, plus de 8000 milliards de microbilles de plastique s'invitent dans les habitats aquatiques chaque jour. Une pollution par les microplastiques qui sera en augmentation constante, lit-on dans les colonnes du journal. Et on termine avec l'obésité. En près de 40 ans, le nombre d'obèses a plus que doublé dans 73 pays. C'est un chiffre qui inquiète tous les responsables de santé publique. Depuis 1980, le nombre d'obèses a plus que doublé dans 73 pays de la planète. Et il a continué d'augmenter dans d'autres nations. Ce sont les deux enseignements qui ressortent de l'étude publiée le 12 juin dernier par la revue américaine New England Journal of Medicine. Selon les auteurs, 107,7 millions d'enfants et 603,7 millions d'adultes souffriraient d'obésité dans le monde en 2015. Cette même année, les problèmes de surpoids étaient à l'origine de 4 millions de décès, dont près de 40% chez des personnes non obèses. Cela montre, je cite, « une crise grandissante et troublante de santé publique au niveau mondial », constatent les auteurs qui ont travaillé sur 195 pays et territoires. Je continue de citer « les personnes qui ne font pas attention à un gain de poids le font à leurs risques et périls », et met en garde le professeur Christopher Murray, l'un des co-auteurs de l'étude, également directeur de l'Institute for Health Medicine and Evaluation de l'Université de Washington à Seattle. Elle risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, du diabète, un cancer ou d'autres pathologies mettant leur vie en danger. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr du fond du cœur les abonnés de l'agence InfoLibre. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien sûr. N'oubliez pas la lettre AIL, le hors-série qui dirige le monde, toujours en vente au format PDF pour 5€ sur la boutique de l'agence InfoLibre. Et également le numéro 17 de la lettre d'analyse des informations libres, en vente en PDF à 4€ ou en vente en version papier à 7€, toujours sur la boutique de l'agence InfoLibre. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Ha ha ha!
Thank you.